à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie de la présentation de mes jeux de taurine virtue. Et on va commencer directement avec les cartes Oracle des déesses, qui est un jeu que j'ai acheté très récemment. Enfin, très récemment. Il doit quand même bien y avoir un ou à peu près un an. Et j'en ai acheté d'autres depuis, je ne sais pas pourquoi. Donc, voici celui-ci, j'ai eu une édition de chez Adam et il a dû également sortir chez Exergue, je pense. Donc, toujours une introduction dans le même ordre d'idées que dans les autres jeux, comme je vous ai déjà montré. Ici, elle parle des différentes manières d'effectuer des lectures de cartes. Ici, elle parle aussi de lectures effectuées à l'aide de plusieurs jeux de cartes. Alors, elle parle un petit peu, voilà, des cartes volantes, tout ça. Voilà, et puis sur l'invocation des déesses. Et par exemple, voilà, quand je vous disais dans l'autre vidéo, pourquoi j'avais apprécié au départ, c'est que effectivement, elle ne met pas beaucoup de limitations. Par exemple, voilà, quand elle parle de l'invocation des déesses, je vais vous lire ça parce que c'est assez intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être spécialement entraîné ou doué pour invoquer les déesses afin qu'elles viennent vous aider ou favoriser votre guérison. Elles se présentent à quiconque les invoque avec sincérité. Voilà, ça, c'est une de mes manières de faire. Je pense que quand on veut se connecter avec sincérité, avec une intention pure à une énergie, qu'elle soit angélique, déesse, peu importe, eh bien, on établit le contact. C'est aussi simple que ça. Tout est énergie. Et c'est votre intention qui fait le job. Alors, elle se présente à quiconque les invoque avec sincérité. Donc, l'une des façons d'invoquer les déesses est de tenir dans vos mains les cartes correspondant aux déesses particulières que vous voulez invoquer. Vous pouvez aussi et tout simplement dire leur nom intérieurement ou à voix haute ou bien leur écrire une lettre dans votre journal intime. Vous pouvez également demander aux déesses de vous donner un signe clair qu'elle se trouve avec vous. Ne spécifiez pas quel devrait être le signe, permettez-leur de vous surprendre de la façon imaginative qui est la leur. En peu de temps, vous ressentirez et vous apprécierez la présence aimante et puissante des déesses. Donc voilà, elle est dans plusieurs jeux, elle donne des choses aussi simples, aussi directes, on va dire aussi naturelles. Moi, je suis venue à la cartomancie assez tard dans ma vie. Et je n'ai vraiment pas voulu me rajouter des contraintes, des obligations, ce genre de choses-là. Parce que mon but était de communiquer avec mes guides, avec les anges. Et que si je crois ce qu'on en dit de ces énergies-là, elles ne veulent certainement pas que je me mette des contraintes. Alors, on a la signification générale des cartes. On a la carte vraiment tout petit, là. Et puis, on a donc le mot-clé avec le titre de la carte, hein, donc le titre de la déesse, enfin le nom de la déesse, le titre de la carte. On a une petite phrase qui se trouve sur la carte. On a le message et d'autres significations de la carte. Et puis, des informations, donc à propos, chaque fois, ici, d'Abundancia. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Et puis, ici, nous avons donc les informations sur les œuvres d'art.
puisque, encore une fois, c'est un jeu qui a été réalisé par plusieurs artistes. Voilà. Et puis, il y a chaque fois à propos de Dorine Virtue, bien entendu, hein. Donc, moi, je ne fais pas ici une review complète, mais bien entendu, il y a toujours à propos de l'auteur. Et puis, c'est toujours ben, sensiblement les mêmes. Et donc, ici, ben, nous avons, puisque je viens de tourner il n'y a pas longtemps mes vlogs du mois de février, eh bien, nous retrouvons Brigitte. Voici le dos, puisque je l'avais laissé sorti. Et donc, voici les différentes déesses qui figurent dans ce jeu. Voilà. Donc, vous voyez que, encore une fois, c'est vrai que tout ça prend beaucoup de place, que l'illustration est réduite de ce fait-là. Mais vous avez le petit message directement. Et... par exemple, celui-ci, je l'ai vraiment acheté pour avoir un jeu qui traitait de ces différentes déesses, en fait. Parce que il en existe peut-être d'autres, bien entendu, mais j'avais envie d'avoir celui-ci qui rassemble dans un même jeu des déesses de différentes cultures. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Donc, Brigitte. Ensuite, message du paradis, donc de Dorine Virtue et James Van Praagh. Et celui-ci, il faut que je cherche parce que je ne sais plus par qui il a été conception graphique. Par qui il a été illustré celui-ci? Je ne me souviens plus. On va essayer de voir directement. Donc, il est chez Xerg. Alors, la conception graphique, mais je ne sais pas si c'est illustrateur ça. C'est Ryan Bender. Alors, donc, il y a aussi comment travailler avec les cartes médium messages du paradis. Donc, il y a toute l'introduction, comme d'habitude, donc des tirages, et puis les messages des cartes, toujours la carte en noir et blanc, et puis la petite description et le message. Alors, avec ce jeu, j'ai vraiment une anecdote à vous raconter. C'est que il fait partie d'une première série que j'ai achetée. Je suis toujours en train d'essayer de trouver l'illustrateur, mais en fait, je pense que ce sont des photos et donc il n'y a pas vraiment d'illustrateur. Ça doit être les auteurs qui ont choisi des photos, je pense. Et donc, je vous expliquais. Il fait partie des premiers jeux que j'ai achetés, mais peut-être pas les tout premiers, je pourrais pas vous dire, ou en tout cas, c'est pas le premier que j'ai utilisé. Et j'avais donc déjà lu les introductions des autres jeux, donc les fameuses introductions, je vous dis, où c'est toujours à peu près sensiblement la même chose. Et donc, pour celui-ci, je ne l'avais pas lu. L'introduction du petit guidebook. Et je n'avais même pas lu ce qui est indiqué ici au dos de la boîte. Et j'ai utilisé le jeu comme un autre jeu pour avoir des messages de mes guides, mais pas nécessairement de défunts, vous voyez. Par exemple, pourquoi pas message de... des anges ou je ne sais pas, d'une entité vibratoirement élevée, mais je ne pensais pas du tout aux défunts. Et malgré ça, c'est tombé très juste. Je ne posais pas des questions par rapport à des défunts et j'ai eu des réponses étonnantes. Comme quoi,
quand vous posez une intention avec un jeu, vous pouvez avoir des choses extraordinaires. Et je sais qu'au moment d'Halloween, par contre, j'ai utilisé un petit Lenormand pour communiquer là, par contre, avec mon père qui est décédé maintenant. Et j'ai eu des réponses extraordinaires. Et je sais que j'étais connectée avec lui. Parce que après, avec les réponses que j'ai eues dans mon tirage, je sais que c'était bien ça. Et pourtant, le petit Lenormand n'est pas fait pour communiquer avec les défunts. Mais ça fonctionne très bien. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup le dos. Je le trouve vraiment très, très beau. Et vous voyez, il est vraiment en pleine carte comme ça. Et c'est joli, très, très, très joli. Alors, on a donc, oui, en fait, je pense que c'est des photos, photomontage. Et je trouve que c'est chouette parce que je vous dis que même si, par exemple, voilà, vous avez ce message-là. Si même vous avez posé une question, eh bien, vous pouvez très bien imaginer que ce message ne vient pas du tout d'un défunt. Vous voyez? Et donc, par contre, il y en a d'autres où c'est vraiment comme ça. Et vous n'auriez pas eu de doute, mais moi, les premières cartes que j'avais tirées, c'était des messages plus universels et je ne m'étais pas rendu compte que c'était un message un jeu qui était fait vraiment spécifiquement pour communiquer avec les défunts. Et par exemple, imaginons, vous tombez sur cette carte. Vous, par exemple, vous vous demandez, vous avez vécu une rupture douloureuse, imaginons. Et vous faites un tirage pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et vous tombez sur cette carte. Je devais partir ainsi. Eh bien, ça peut vous donner un élément de réponse, en fait. Et pas nécessairement avec tout... par exemple, vous avez... Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Ça peut très bien vous répondre à un questionnement totalement terrestre. Nous sommes des âmes sœurs. Ben, voilà. Vous voyez, je viens encore de voir celle-ci, la Terre est notre école. Eh bien voilà, vous pouvez, ça peut vraiment, répondre à des questionnements et pas nécessairement en lien avec des défunts. En tout cas, moi, de mon expérience. Ensuite, message de vos anges. Et donc, en fait, voilà, je pense que j'avais acheté ces deux-là dans la même série. J'ai dû les acheter en même temps. Et moi, en fait, j'ai utilisé ça. Il y avait message de vos anges, parce que vous allez voir celui-ci. Oui, vous communiquez avec vos anges, mais ils vous donnent des réponses pour votre vie quotidienne. Donc, il est toujours chez Exergue. Hein. Voilà. Et moi, ben, en fait, celui-là, au départ, voilà, il y avait message de vos anges et message du paradis. Donc, c'était des messages qui venaient des êtres qui se trouvent au paradis, c'est-à-dire aussi les anges, les saints, etc. Donc, moi, je n'avais pas vraiment fait de différence, en fait, entre les jeux à ce moment-là. Alors, toujours le petit guidebook habituel. Donc ici on a le sommaire, on a de nouveau des instructions hein, pour la lecture, voilà. On a quelques tirages, dans celui-ci il y en a pas mal. Alors, signification générale des cartes, de nouveau vous avez en noir et blanc, vous avez le petit message qui figure sur la carte et des messages additionnels. Voilà. Ça pour toutes les cartes, bien entendu. Et puis, nous avons des informations sur les œuvres représentées de nouveau par divers artistes. Alors, voici le dos. Bon, je ne suis pas très fan du dos, j'avoue. Je ne sais pas. Ça me fait une impression bizarre. J'aime pas trop. Voilà, c'est une question de goût, hein.
Et voici les cartes. Et donc, nous avons des prénoms d'anges comme ça, je ne sais pas. C'est un peu c'est particulier, je trouve. Parce que moi, j'aurais jamais entendu parler, par exemple, de l'ange Teresa ou de l'ange Oméga, même Patience. Voyez. C'est un peu. Voilà. Je ne sais pas trop. Mais les messages sont intéressants et ils tombent juste très souvent. Alors, ceux-là, par contre, ils ont un petit côté divinatoire. Plus purement divinatoire. Bien sûr, on peut faire de la guidance avec, mais ils peuvent être un petit peu légèrement divinatoires. Par exemple, voyez, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Ça, c'est plutôt divinatoire. Alors, on va continuer avec un qui lui ressemble assez, mais qui est sur le thème des fées. Donc, l'oracle des fées, toujours aux éditions Exergue. Toujours le même genre de petit livret. Voilà. Donc, toujours le sommaire. Comment se servir de l'oracle. Différents tirages. Et puis, toujours la même chose. La carte en noir et blanc. Le message qui est sur la carte. Et des messages. Un petit développement et des messages additionnels. Et alors, pour celui-ci. Nous avons aussi les informations sur les œuvres, puisque à nouveau c'est un jeu qui a été illustré par divers artistes. Et celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. Bon, elles sont un peu en petit, c'est peut-être un peu dommage, mais regardez, je trouve que c'est magnifique. D'une manière générale, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations de celui-ci. Elles ont un petit côté pour l'enfant intérieur, mais j'aime beaucoup, c'est réconfortant. Alors celui-ci, il est aussi clairement divinatoire. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc voilà, celui-ci, il est quand même un petit peu plus divinatoire, même si on peut aussi bien sûr faire de la guidance avec. Voilà, celui-ci, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Alors, ensuite, je vais peut-être terminer avec celui-ci, qui est Les anges de l'amour, donc toujours aux éditions Exergue, avec le dos comme ceci, et qui est donc sur le thème du sentimental. Et c'est parce que depuis, il en est sorti beaucoup. Mais à l'époque où moi je l'ai acheté, donc il y a quelques années, parce que je l'ai acheté dans les premiers. Il a fait partie de mes premiers jeux. Eh ben, il n'en existait pas énormément sur le domaine purement sentimental. Et je peux vous dire qu'il tombe très juste. Parce que celui-là, c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé pour les autres. Parce que quand j'ai eu des fois des demandes de tirage, notamment par le biais de ma page Facebook, c'était souvent sur le thème sentimental. Et je l'ai utilisé et il tombait très, très, très juste. Les personnes étaient vraiment très, très contentes, des tirages. Donc voilà, utilisation des cartes oracle. Voilà, depuis j'en ai d'autres, mais franchement, je pourrais très très bien encore le ressortir. Donc toujours la même introduction, la signification des cartes. Donc voilà, en noir et blanc.
le titre, une phrase clé et puis le développement. Voilà. Comme ceci. Alors après, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu, enfin voilà. Il faut prendre ce qui résonne dans ce qui est là. Mais la carte avec son message principal répond bien. Donc, à propos des artistes, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui a été réalisé, illustré par plusieurs artistes différents. Et vous voyez, je m'en suis beaucoup servi parce que c'est un des seuls où le petit livret. Évidemment. C'est un des seuls où le livret est un peu abîmé, on va dire. Voilà. Donc voici le dos. Je trouve assez joli. Et voici le genre de cartes et de messages. Et franchement, je vous le redis, j'ai vraiment eu de très très bonnes réponses pour des tirages pour les autres. Donc, je le garde. C'est un de mes oracles de référence, je dois avouer. Voilà. Oui, je vais terminer cette deuxième partie avec ce jeu-là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. J'en profite pour vous remercier de vos très 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 nombreux abonnements. Je suis vraiment ravie. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de la présentation de mes jeux de Dorine Virtue. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.